rumeurs et de spéculations pour reprendre le chemin des circuits, le lancement d'une nouvelle saison qui s'annonce forte en rebondissement est imminent. Voici venue la première manche du championnat du monde de Formule 1, alors bienvenue à tous. Le magnifique circuit international de Bahreïn propose 5,4 km de course, 15 virages et 2 possibilités de dépassement aux virages 1 et 4. Il va falloir suivre de très près les pilotes qui abordent la délicate zone de freinage en descente et en appui du virage 10. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. L'as du volant part en pole position, juste devant George Russell qui va partir en deuxième place. Regardons maintenant le reste de la grille. Bottas, Fernando Alonso, Perez, Verstappen, Leclerc, Norris, Ocon, Sainz, Oscar Piastri, Gasly, Stroll, Albon, Tsunoda, Hülkenberg, Joe, et Nick De Vries. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Nouvelle saison, nouveau départ et tout. Ouais, si tu veux, si tu sais ramener le truc, s'ils veulent bien, ramène-le. C'est quand même 35 euros. Les écuries s'inquiètent un peu de la fiabilité de leur monoplace. Elles n'ont pas été testées aussi à chaud et perturbateur. Ah, c'est sûr que j'en aurais besoin un jour, hein. Et elles n'ont pas non plus été testées à l'extrême pour de longues périodes. Espérons que personne n'aura de mauvaises surprises à gérer. Donc tantôt tu râlais pour rien, voilà. Bah non. Bah si. Les voitures débutent le tour de formation sur une piste ensoleillée. Il sera intéressant de voir si les conditions météo auront un impact sur la durée de vie des pneumatiques aujourd'hui. Les monoplaces rejoignent leur emplacement sur la grille et chacune des écuries espère désormais que sa stratégie s'avérera payante pour la course. La question est maintenant de savoir qui a pris le pari gagnant et qui repartira déçu aujourd'hui. Ça va boire ? Oui, j'ai à boire. J'ose rien dire, mais ça a l'air de tenir sur Formule 1. Il y
Hein? Ah, pas, dis pas trop vite. Hein. Si après toute la course, il n'y a rien, ça va, mais... va être autorisé dans ce tour. Tu peux l'utiliser si tu as moins d'une seconde d'écart avec la monoplace de devant dans la zone de DRS.
Info course. Tu es en première position, tu mènes la course. Bottas derrière. L'écart avec la voiture de derrière. 6,1 secondes. Il chausse les pneus tendres usés. La fenêtre de ravitaillement s'ouvre dans 3 tours. La fenêtre ouvre dans 3 tours. Approchons de la fenêtre d'arrêt au stand, tu chausseras des médiums. Position coéquipier. Il y a des parasites, tu peux répéter? Position coéquipier. L'écart avec notre coéquipier est de 13,3 secondes. Ok, sa voiture a de nouvelles gommes dures. Il est à la quatrième place. Le dernier tour a donné 1,37,8. Pour course. Tu es en tête, premier. Bottas est derrière toi. Ton avance sur la voiture qui te suit. 8,9 secondes. Il chausse des pneus tendres usés. La fenêtre d'arrêt au stand s'ouvre dans le prochain tour. 13 tours restants. Rentrez ce tour. On n'a pas entendu, il y a des interférences. Putain, il y a des interférences dans le désert. Ouais. Rentrez ce tour. Ce tour. Gina, somebody. Putain, Stroll, il est 9ème avec la 1.
Et c'est reparti, aucun problème avec cet arrêt, c'était très fluide et l'écurie Aston Martin a de quoi être contente. C'est le moment de hausser le rythme, il faut faire chauffer les gommes. Ok, je suis dixième. Drapeau rouge. Dépassement interdit, rejoins-nous au stand. Quelques infos au sujet de Sainz. Il abandonne la course. Pilote Ferrari, drapeau rouge. Il y a un circuit, mais la direction de course n'a pas l'air de vouloir faire sortir la voiture. Fais tout de même attention. Ok, on considère ça comme un arrêt gratuit. Alors réfléchissons bien à notre stratégie pour le reste de la course. B. On prend les pneus et tout. Ça, je vais exploser dedans. Ça va reprendre dans un instant. Reste à l'écoute. Alonso, il a foiré son départ. Attention, ils ont fait sortir la voiture de sécurité. Attention au Delta. Il doit rester positif maintenant. Pendant que tu rejoins les autres. La direction de course a décidé de faire sortir la voiture de sécurité à cause de plusieurs voitures arrêtées sur la piste. Attention à ton Delta. J'espère que Fernando n'est pas dedans. Position coéquipier. Je ne t'ai pas entendu, répète le message. Position coéquipier. Voici l'écart avec notre coéquipier. 2,6 secondes. Sa voiture a de nouvelles gommes médium. Le troisième, c'est magnifique. Thank you.
Ben, elle est où la voiture de sécurité? Nous nous approchons de la voiture de sécurité. Ne la double pas. Tu es en tête. Suis la voiture de sécurité. Ah, ça c'est trop classe. Albon 4e, purée. Verstappen 14. Enfin, une bonne opération. AlphaTauri, si bien. La voiture de sécurité rentre au stand ce tour. Voiture de sécurité au stand. Tu vas imposer le rythme à la relance. Garde un rythme constant jusqu'à ce que la voiture de sécurité ait rejoint la voie des stands. Retour à la normale. Position coéquipier. L'écart avec notre coéquipier est de 4,0 secondes. Sa voiture a de nouvelles comme médium. Il est à la troisième place. Le dernier tour a donné 1 minute 37,0.
Ok, les commissaires viennent d'autoriser le DRS. DRS disponible. Course. Tu es en première position, tu mènes la course. Bottas derrière. L'écart avec la voiture derrière nous est de 5,9 secondes. Sa voiture a de nouvelles gommes médium. C'est notre dernier arrêt. Plus aucun arrêt prévu pour aujourd'hui. Plus que 3 tours, 3 tours. Position coéquipier. Voici l'écart avec notre coéquipier. 8,6 secondes. Sa voiture a de nouvelles gommes médium. Il est à la troisième place. Le dernier tour a donné 1,36,5. Dernier tour, on lâche rien. L'écart
d'écart avec notre coéquipier est de 12,3 secondes. Pour Aston Martin aujourd'hui, l'équipe va pouvoir faire la fête. Donc voilà, on va. Là, tenu toute la course. Je pense que la météo était parfaitement adaptée à sa monoplace. En plus, Alonso qui fait P3. Magnifique. Vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Ils ont fait une mise à jour du jeu, c'est terrible. Il y a plein de nouveautés. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Sa monoplace semblait à l'aise sur la piste. Avec ce résultat, l'écurie Aston Martin trouve qu'elle peut être compétitive face aux mastodontes de la discipline. Les pilotes avancent vers le podium en ce moment même et les acclamations du public doivent leur faire chaud au cœur. Le visage en effet. Oh, je suis au niveau 29. Voyons ce qui a changé au classement des pilotes. Albon 5ème, incroyable. La tête du championnat des pilotes. Eh bien, Jacques, qui pourrait selon vous prétendre au titre de pilote du jour? Pour moi, c'est l'as du volant. Passons à présent au constructeur. Aston Martin se retrouve désormais au sommet du classement. Après une course comme celle-ci, comment deviner qui va remporter le championnat? Alors soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à nos côtés. Pam 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 pam.